I know how much of can be funny. I'm so sweetie in your time. It doesn't mean that we can let us pollen our life. Be the lovely little smoothie, just happy in meantime. Everything in life is one way trip, never trip back. Alors, cet album, ce titre, Ezamon, est tiré de ton deuxième album, sorti en 2017. Oui. Donc, ton deuxième album est sorti 16 ans après le premier. Le premier, oui. Le premier sorti en 2001. En 2001. Nous ne l'avons pas sur ce plateau. On ne l'a pas. On l'a pas. Et c'était essentiellement funky et afro-funk. Afro-funk. Et là, j'ai fait venir un compatriote et frère d'ailleurs, qui très grand chanteur, Emmanuel Job. Ah, Emmanuel Job qui est passé à l'émission The Voice, là. Tu as joué avec il a enregistré avec moi. Moi, je ne suis pas chanteur, en fait. Je ne chantais pas à l'époque. Et puis, je ne voulais pas chanter. J'ai jamais été vraiment... J'ai plutôt, toujours été soit bassiste, soit guitariste, compositeur. Mais la chanson, je fredonnais. Et comme j'adorais imiter Jack Benson ou Aldaro, surtout dans les skates, le style... Des choses comme ça. Donc des choses comme ça. Et on faisait ça, mais j'aimais chanter parce que j'adorais Aljaro. Et je trouvais qu'il était très franciste. Aljaro, ouais. Quand il chante, par exemple, c'est lui qui One Note Summer, il est décédé. Il y a deux ans. There's so many people who can talk and talk and talk. This is just a little samba. Beat upon one single note. They are not one emotion. In the ratatatido. Voilà. Yo! choses comme ça qu'on faisait quand on était jeunes. Bon, alors tu as chanté avec Emmanuel Jobs. Il vit où maintenant, Emmanuel? Aux dernières nouvelles, il était à Montpellier. Toi, le Montpellierain. Tu le rencontres souvent? C'est un local. Non, je ne l'ai jamais croisé vraiment. Pas encore? En fait, il a joué dans une salle il n'y a pas longtemps, qui est une salle qui est très connue à Montpellier, qui est un club très rock à la base, qui s'appelle le Rockstore. Il a joué il n'y a pas longtemps. Tu vas devoir le retrouver pour lui dire que tu étais chez son frère à Greenberg. Mais son petit frère n'habite pas loin. Hein. Ah bon? Didier Liquin. D'accord, qui est aussi un ancien, enfin comment on appelle chez nous, c'est un complice quoi. D'accord, je vois. On a fait pas mal de coups. C'était mon premier bassiste d'ailleurs. Ah d'accord. Parce que moi je jouais la guitare. C'est une histoire bassiste. De famille. Alors, ton premier album, qui était funky, jazzy, je suppose que tu te souviens d'une chanson au moins qu'il y avait dedans. Ah. T'as oublié. Oh, c'est pas comme des pères, hein, écoute ça. Makosa. Thank you.
C'est les lignes de basse un peu... Ça nous rappelle un peu de l'ambassibé. C'est en fait, on vient de cette école-là. Ce qui est formidable chez toi, j'ai écouté cet album, je l'ai reçu mercredi. Oui. Je sors, je prends dans ma boîte aux lettres, je l'ai écouté toute l'après-midi. Et j'ai décidé quelque chose sur les 9 titres de cet album. 6, pour ne pas dire 7, rappellent beaucoup les rythmes de ton pays d'origine, du Cameroun. Tout à fait. Le Bikutsi, j'étais demandé de commencer par Ezamona, parce que ça, c'est le Bikutsi jazzé. Ça, c'est vraiment, c'est même quand je dis Bikutsi, c'est plutôt du côté de. Je pense même des camps. On appelle ça, oui, c'est vraiment un truc. En fait, il y a une anecdote avec Asamungono. Mm-hmm. Asamungono, quand j'étais petit, Asamungono est venu jouer, elle faisait le Mvet Oyen. Yeah, elle est venue jouer au village et. C'était une femme, elle était non-voyante. Mmh. Et je me rappelle, elle arrive au village, et c'était vers 13h, elle avait soif. Elle demande à donner de l'eau. En plus, elle me faisait, j'avais vraiment peur, parce que c'était une malvoyante à l'époque. Malvoyante, et puis les yeux, bon, je ne sais pas. Mais en même temps, oui, j'avais une grande attraction, mais putain, la répulsion. Pour la musique, oui. Non, même pas pour la musique, pour la personne. Elle m'impressionnait vraiment. Et puis, spontanément, je vais lui chercher un gobelet avec de l'eau. Mmh. Et quand je lui donne de l'eau, et tiens, on lui dit, tends la main parce que... Elle ne te voit pas, elle ne voit pas. Non, on lui demande de tendre la main parce que le gamin est en train de lui donner... De l'eau. Et elle prend le truc et elle touche ma main et dit, mais elle demande, quel est l'enfant qui me donne à boire, là? On lui dit qui je suis. Elle dit, c'est lui qui va me remplacer dans la musique. Ah bon? À ce moment-là, là. T'avais quel âge à l'époque? J'avais peut-être 7 ans ou 8 ans. Tu as vu les choses, hein? Extraordinaire. Elle a dit texto et... C'est l'enfant qui vient m'en parler. Ça s'est passé comme ça, à ce moment-là. Waouh! Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Dis-moi, comment est-ce que le public occidental perçoit-il ta musique? Voilà. Ou bien les Brésiliens, comment le perçoit-il? Est-ce qu'ils se disent, c'est un jazz qui est... plus camerounais ou plus africain, comment ils perçoivent? Justement, c'est signé par un label brésilien, mm-hmm. un très très grand musicien brésilien, mais qui à l'époque faisait plutôt du rock. D'accord. Le rock brésilien, parce que même les Gilberto Gil ont commencé dans le rock, hein, c'était l'époque de la révolution culturelle, voilà. Mm-hmm. Et lui, il s'appelle Tony Babalu. Olivier, et c'est lui qui a ce label-là. Mm-hmm. Il a en fait, quand j'ai eu son contact, il n'a écouté que 2 titres. Okay. Et il a écouté I Thought I Knew. Where is it? I Thought I Knew. Yeah, le 7e titre. Ouais, celui qui est un peu comme un manga. I know how much of can be funny. I'm so sweetie in a time. It doesn't mean that we can let us pollen our life. Be the lovely little smoothie, just happy in the time. Everything in life is one way trip, never trip back in a time. You don't say goodbye, then you knock again at the door. You don't say goodbye, then you knock again at the door. C'est un. Alors, ça commence. Encore, hein, t'as fini? Ouais. Ça commence. Alors, il est. Ça commence avec un truc. Pardon. Un peu. Oui, effectivement. Ouais. Donc, il a écouté, le producteur a écouté ce titre. Il a écouté ça.
alors que c'est tout à fait africain. Ouais. Et là, mais là, là dans les 5 minutes qui suivaient, il m'appelle, il me dit, tu as déjà envoyé ça à quelqu'un d'autre au Brésil? Tu lui dis non? Je lui dis, mais non, c'est mon ami Zé Alvaro, qui est aussi un bassiste. Mm. Un Brésilien camerounais, Zé. Ouais, en fait, Zé, il y a des Zé, il y a des Zé au Brésil, comme ouais. Il y a, je ne sais pas, de Pierre. De Dupont en France. Oui, bah, ils sont partis du Cameroun, de Bimbia. De ton village, Bimbia, à côté de Kribi. Voilà. C'est le plus grand centre de commercialisation des esclaves. Hein, voilà. On vient le découvrir, c'est pas ouais. Gouré. Hein. Gouré fait bluette devant Bimbia. Voilà. Je leur dis souvent ça. Ils viennent de ton village. En fait, les Zé, il y a des Zé partout. Il y a des Zé partout au Brésil, surtout à Bahia, qui est vraiment le Brésil noir. C'est noir. Beaucoup sont partis du Cameroun. Il y avait une route maritime. Le plus grand, centre de commercialisation des Noirs, lors de la traite négrière, n'est pas Gorée, comme on vous l'a fait croire longtemps. C'est plutôt à Bimbia. C'est reconnu par l'UNESCO et tout le monde désormais. Hein. Je t'enverrai une vidéo là-dessus et vous verrez aussi sur le site de jmtvplus.com cette histoire-là. Si tu arrives, en plus, l'histoire a été assez falsifiée. Ouais, très falsifiée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de chez nous, mais qu'on a attribuées aux Yoruba. Aux Yoruba. Au ouais. Cuba ou bien. Mais là, ma question était celle-ci, parce qu'on peut se balader, hein, mais je ne vais pas oublier, il faut que je t'attrape. Ma question était celle-ci. Comment est-ce que les mélomanes occidentaux ou brésiliens perçoivent-ils ta musique? C'est un... je ne vais pas m'en vanter, parce que ce n'est pas trop de mon style, mais c'est un succès et c'est chaque fois une surprise. Que ce soit pour les Européens, oui. Que ce soit pour les Sud-Américains, que ce soit pour les Camerounais, pour les Africains, il n'y a personne qui s'attendait à un tel travail. Oui. C'est-à-dire que comme on a toujours... tendance à anticiper, à voir un peu, à imaginer ce qui va se passer. Tout le monde est surpris quand il écoute cet album-là. J'ai travaillé... En fait, l'album a d'abord été conçu. Je n'ai pas juste joué et je me suis découvert en train de faire des choses. Je l'ai conçu, j'ai voulu faire quelque chose qui pouvait intégrer le plus grand nombre de complexités, d'origine, de racines, de choses, et de mettre dans un moule qui n'appartiendrait à personne, mais qui ne serait que de la musique, rien que de la musique. Et que chacun, qui qu'il soit, qu'il soit quelqu'un qui aime du rock, qu'il soit quelqu'un qui aime du reggae, s'y trouve, pas forcément parce que c'est du rock, pas forcément parce que c'est du reggae, mais que quelque part, la chose lui parle. Voilà. Et alors, la seule manière de faire ça, c'est de partir toujours de rien et de ne même plus exister. Partir de rien, ne plus exister, et c'est comme ça qu'on reçoit. C'est quand je me suis pas... Dimitri, tu comprends quelque chose là? Partir de rien et ne plus exister. Ne plus exister. C'est à ce moment-là qu'on est, chez les bouddhistes, quand on dit, par exemple, être zazen, les gens pensent que la concentration, c'est focaliser. Non, celui qui est le plus attentif, c'est celui qui est capable de percevoir le bruit d'un insecte, d'un truc. Ouais. Et pour arriver à ce stade-là, il faut complètement se vider de soi-même. Ne plus être là, et c'est comme ça qu'on est attentif à tout. Wow. Et ça a toujours été ma démarche. C'est-à-dire, je suis quelqu'un d'inspiré. Et même quand je fais ces musiques-là, je les ai composées. Mais en fait, il y a une richesse. J'ai travaillé avec un jeune garçon que j'ai... Un jeune garçon, il a maintenant 32 ans. Un pianiste que j'ai découvert, qui n'avait jamais fait de musique brésilienne et qui est arrivé en remplacement d'un pianiste avec lequel je voulais jouer dans le fameux projet Madrugada. Et je ne peux pas l'avoir. Il me dit, je t'envoie quelqu'un. Je pense qu'il va convenir, mais il n'a jamais fait de musique brésilienne. Ça a été ma plus grande découverte. Alors là. Son approche m'a directement scotché parce qu'il apportait quelque chose, une autre dimension. Alors que la plupart des pianistes de jazz qui jouent de la musique brésilienne, lui, les pianistes brésiliens qui jouent du jazz brésilien, ont un certain truc qui est déjà assez... Un format. Hein? Mais lui, il a apporté un truc, une ouverture qui était... Parce qu'il vient de la musique classique, il a fait du jazz, à 27 ans déjà, professeur au conservatoire d'Anvers, professeur au conservatoire d'Amsterdam. D'accord. Et je découvre cette mine d'or et je lui dis, mon garçon, tu restes avec moi. Il est toujours là? Il est toujours là. C'est lui qui, avec lui, c'est lui qui a fait les arrangements. All right. Il s'appelle Wout Corris. Un garçon. Wout Corris, how are you doing? Terrible. I'm well.
terrible. Et en fait, cette musique-là, elle est d'une ouverture terrible. C'est-à-dire que quand on l'écoute, la preuve, c'est encore hier. Je parlais d'un ami à l'ambassade, j'ai fait un petit tour à l'ambassade hier. Mmh. Et je donne à un vieil ami, on est là depuis plus de 30 ans, lui et moi, et je lui donne mon album, il a toujours entendu parler de mon album. Il l'a mis dans la voiture et il m'a appelé pendant qu'il conduisait. Il m'a dit, mon gars, là, tu me scotches. Ben oui. Je ne comprends rien, c'est une bombe que tu as là. Ben... Mes cousins, la même chose, Pacom, il devait être là, mais il est un peu chaud aujourd'hui, c'est lui le spécialiste des vins. Ah, des vins en boîte à santé, Pacom. Et Pacom écoute ça dans la voiture, il me dit, ouais, grand frère, tu sais, ça c'est une bombe. Ça maintenant ne te prend plus pour. Mais tu es dans le oui, là. T'as vu mon speech quand j'ai écouté ça. Ouais. C'est la même chose au Brésil. D'ailleurs, tu vois, la plupart des Brésiliens, des maisons, la plupart qui m'écrivent, c'est les gars, soit de ceux qui ont pressé le disque, Triplica, ou bien soit de mon distributeur Trattori. Tu es distribué au Brésil, ouais, tu es distribué en Amérique latine en général. Latine. Ils ont l'exclusivité sur, voilà, dans le monde. Oh mon Dieu. Et dis qu'au Cameroun, on ne te connaît pas. Non, je suis pas. Je trouve qu'on a fait beaucoup d'erreurs à l'époque, surtout l'ancienne génération. Mmh. Quand je parlais des gens comme Manu Dibango, Manu Dibango pour moi c'est le grand. Alors mon éveil musical vient de Manu Dibango. Oui, tu l'as dit dans ta bio. Oui, ouais, Manu Dibango, il a fait des choses et à un moment il est vraiment allé loin. Parce que pour moi, Manu Dibango, certains de ses morceaux, certaines de ses productions à l'époque étaient du niveau des Weather Report. Yeah. De Jacob Paciolio aussi. Yeah. Là, il y avait Michel Alibo à la basse, Michel Grilly, Alibo, des gars, Guilly Vincent qui vient de nous quitter. Ces gars étaient très loin. Très, très loin. Et je pense, je n'ai rien contre. Contre certains. Contre certains. Et je pense qu'on n'a pas été bien distribués. Manu Dibango, par exemple, n'a pas été bien distribué parce que Manu Dibango devait être la carrière, avoir la même carrière qu'un type comme Miles Davis. Miles Davis. I'm so sorry. Voilà. Manu Dibango devait avoir une carrière comme Miles Davis. Papa Manu, tu entends parce ça? Parce que nous, ce monsieur est allé loin. Parce qu'il y a, quand vous écoutez des choses comme Maman Marie, la chanson qui compose et qui écrit pour son père, son âme, son épouse. Son épouse, oui, qui nous a quittés beaucoup très tôt. Oui. Mais quand on écoute cette chanson-là, mais c'est un peu le genre de truc que fait aujourd'hui. Et je suis sûr que si on demande à Richard Bonin, on vient de la même école. Parce que Richard Bonin fait des balades qui sont, par exemple, Mutesukudu, ça c'est... D'ailleurs, Richard Bonin, vous connaissez très bien, hein? Oui, pour moi, c'est mon idole, voilà, on va dire ça. Il est plus jeune que moi. Il est plus jeune que toi, mais c'est ton idole. C'est mon idole. Ça, c'est de l'humilité, non? Oui, et je ne sais même pas si on va parler d'humilité, parce que Richard Bonin, les gens parlent toujours du bassiste, les gens parlent du chanteur. Là. Je pense que Richard Bonin est... Et voilà, Richard Bonin, c'est la musique. C'est ces gens-là qui sont touchés par la grâce divine. Ouais. C'est-à-dire que quand ils font des choses... Ce sont des choses qui quittent la dimension terrestre. Et en fait, ça s'adresse aux initiés. On dit le maître ne transmet à l'élève que quand il est prêt. Les gens qui peuvent te faire un petit congo, ça. Oui, vas-y. La sonnerie de mon téléphone, c'est Richard Bonin. Eh ben voilà. À la Blanco. Ah ben voilà. C'est-à-dire que ce type est à une telle dimension. Et comme on dit, ben voilà, si c'est arrivé à Jésus lui-même de ne pas être reconnu par les siens, c'est Il a fait du bien, là, quand même, tu es. Voilà, Richard Bonin, c'est un... On ne peut pas faire l'unanimité comme ça, quand on n'est pas. Des gens comme George Benson, des gens comme Quincy Jones, des gens comme Stevie Wonder qui te parlent de quelqu'un en disant que c'est un des musiciens les plus doués qui existent. Les plus doués qui existent. Et moi, toute génération confondue, Richard Bonin fait partie du top 3. Wow. Et les deux autres sont morts. Qui est qui? Paco de Lucía. Yeah. Baden Powell, le guitariste. Baden Powell. Ces gars-là ne sont pas des instrumentistes ni de. Richard Bonin n'est pas chanteur, c'est des génies. C'est des gars qui sont à une autre dimension. Mais seulement, ils ne peuvent transmettre aux gens que quand ils sont prêts. Voilà. Moi, Richard Bonin, c'est comme. Je suis initié par lui. Il ne m'a jamais fait une séance de vaudou ou de quoi que ce soit. Pas encore. Je sais prendre ce qu'il donne. Mm. Et quand on dit en boulou et en petit,
bien un jour nous voyons waka nous on fait fuck eh à quoi le boulot voilà c'est à dire on ne donne pas le secret ou bien on ne donne pas la sagesse se donne à celui qui est prêt le secret se donne à celui qui est prêt parce qu'on sait que lui va bien le tenir à recevoir et c'est comme ça celui qui écoute Richard Bonnat en disant c'est un bassiste ou bien c'est un chanteur c'est pas quelqu'un de prêt. Et celui qui écoute René Calvin en disant c'est un bassiste n'a pas encore compris la chose. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous as pas encore fait ici, là? Ben, il y a la chanson, d'ailleurs, pour Richard, que j'ai appelée Funk and Me. C'est pour Richard, tu c'est l'as pour écrit Richard. Vas-y, s'il te plaît. Je n'ai pas mis son nom, parce qu'à cette époque, bon, je voulais pas faire de... Voilà, on ne s'était pas encore vu, on ne s'était pas encore rencontré quand j'ai composé. Et comme je suis respectueux des choses, et là, ce que j'ai dit, c'est vraiment... De, voilà, c'est quelque chose. Please, please, do it. Une chanson pour Richard Bonnat, faite par son frère. La basse est pionnière. A Richard Bonnat. Wande wele yemba madiba onyama baba na basi pionia umbusa mukoko na pointe jenewa oidiba na mapula maleya aninja muna nyangwa wawende boso yeso biso mangeya mamusiki mambale ambana kango wande wele boso Voilà mon épiette, j'ai un petit peu de temps. Oh 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 ah! Babadadada bab, badadab, badadadab, badadab, badadadab, 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 Quand il a écouté Richard Bonnat, qu'est-ce qu'il t'a dit? En fait, ma relation avec ce monsieur-là, je l'appelle monsieur pourtant, c'est en fait c'est un petit frère. C'est un cadet, si j'étais au quartier. Il a eu 50 ans tout récemment. Il vient d'avoir 50 ans, j'en ai 56. Mais ce type-là, ça une se telle. Voit, ça se voit pas. Ouais, il a une telle dimension. Il a une telle dimension. C'est quelqu'un qui a un charisme, qui a une telle dimension que je l'ai toujours abordé en lui donnant son rang, sa classe. Ouais. Voilà. Ce qui est rare dans son pays. Voilà. C'est qui... Il doit prendre le visa pour s'y rendre. Mais c'est dommage. Quoique, bon, ça ne me surprend pas du Cameroun, hein, en fait. Alors, essuie ta bouche. je n'ai pas. Qui me problème. Oui, et en plus, moi, je suis vraiment. Ce n'est pas, comme j'ai dit, je ne suis pas allé vendre au Cameroun. Il y a des gens qui l'ont au Cameroun, ceux qui veulent écouter. Moi, j'ai vu Manu Dibango faire des efforts pour le Cameroun. Ouvrir un club à Douala, un club à Yaoundé, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, donc on est fait comme ça. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Je dis simplement, pour moi, Richard, c'est une fierté, pas seulement pour le Cameroun. Ma question était, quand il a écouté cette chanson-ci, qu'est-ce qu'il t'a dit? La chanson que tu as consacrée, Funk and Me. Je vais te dire une seule chose. Entre Richard et moi, il n'y a pas de mots. Vous ne parlez pas. Vous vous comprenez. Richard, quand je le vois, quand je vais à ses concerts, il est en train de signer les autographes. Il lève la tête, il me voit. Hey bro. Tout le monde se demande et on se salue avec respect et tout.
quand je suis allé jouer dans son club deux fois à New York. Et la dernière fois, il m'a appelé parce qu'il ne pouvait pas être là, il devait voyager. Il m'a appelé, on a parlé le matin. En fait, on ne se voit pas que physiquement, Richard et moi. Si mon épouse était encore là, elle peut témoigner. Richard me parle même dans mes rêves. J'ai vu Richard plusieurs fois dans mes rêves, il disait, je suis venu te chercher, je vous le jure. Il va peut-être bientôt venir te chercher, car il ouvre un club quelque part à Paris, à Neuilly. Je suis venu te chercher. Et l'avant-dernier rêve, il me disait, tu sais, le secret, apprends tous les real books. Real book, c'est le recueil de toutes les partitions des grands standards de jazz. Yeah. Le vrai, il m'a dit ça dans le rêve. Il dit, apprends tout ça. Et j'ai fait une masterclass de Richard il y a 3 ans ou 4 ans, à Nice. Et c'était nice. Ouais, c'était nice. Ce mec, en fait, si tu vas suivre un masterclass de Richard en attendant qu'il te montre des pichenettes ou des machins, tu vas perdre ton temps. Par contre, ce qu'il dégage, ce qu'il te donne, t'ouvre l'esprit et tu te mets à faire des choses terribles. Je suis un bassiste qui adore Richard Bonin, je n'ai jamais joué une seule ligne de solo de Richard Bonin. Je n'ai jamais appris ça. Par contre, lui m'a appris à me découvrir et à faire ce qui je suis et à faire ce que je sais faire. Il m'a libéré complètement sans me donner un cours pratique. Juste son approche. Comment il te parle. Comment il te pousse à aller au fond de toi-même, à aller découvrir qui tu es. C'est ça, pour ça que j'appelle maître. Les gens pensent que j'appelle maître pour son autorité. Ben, je m'en fous de la notoriété. Mais Richard est à une dimension spirituelle tellement élevée que je dis, ce sont que les initiés, et je pense en être, qui peuvent percevoir cette chose-là. Attention, ne fous pas ta vie en l'air. Le groupe du pianiste. Le groupe du bassiste. Bon, allez, on va parler de ça. Si on écoute mon album, il n'y a rien de Richard là-dedans. Il n'y a rien, il y a toi-même. Voilà, il y a moi-même. Il y a toi-même avec cette culture Betty. Les camps. Qu'on retrouve là-dedans avec du jazz. C'est ça qui m'a marqué chez toi. Et ce n'est pas une superposition de jazz et les camps. Non, c'est un mélange. C'est un mélange dedans et... Il faut une alchimie qui fait que ça ne peut être que toi avec ton identité. Ouais. C'est bien ce que je t'ai écrit. Hein, identité et quand. Et ça m'a beaucoup frappé parce que je pense que tu es quelqu'un comme moi. C'est-à-dire que quand tu dois écouter, d'ailleurs j'ai vu ça dans tes émissions, c'est-à-dire que quand tu fais une émission, tu es capable de faire ce que je disais, ne plus exister. Ah d'accord. Et percevoir les choses telles qu'elles sont, dans leur réalité nue. On me parle de moi maintenant, je dois écouter. Non, mais c'est vrai, Jackie, j'ai vu tes émissions, tu as animé des débats et tout, mais on sent qu'en fait, tu donnes à chacun sa place, tu donnes à chacun son temps de parole, chacun est libre de dire les choses, tu n'orientes rien, tu ne te prononces pas, et l'émission va vraiment, en fait, ce qu'on appelle voir les choses dans la réalité nue. Il faut avoir cette capacité-là de s'effacer. Il faut avoir cette capacité-là de voir les choses avec la plus grande objectivité. Je suis très ému. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué d'être objectif. Bon. Parce qu'on a un package qui est là, on a des réflexes, et identitaires et idéologiques qui font que, même quand on le pense, et c'est une force de pouvoir arriver à ça, d'être objectif, c'est hyper compliqué. Bon, ben Dimitri. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez toi. Merci beaucoup. Pour ceux qui pourraient me qualifier de mégalo ou de quoi que ce soit, je laisse parler des gens comme toi, des aînés. Je suis très, très ému. Mais non, on aime le parti pris. C'est quelque chose qui est très. C'est un réflexe au Cameroun. Et même pas seulement au Cameroun. Les gens se replient trop aux identités, aux petites choses, et on n'arrive pas à être objectif, à voir les choses avec simplement les yeux d'un enfant, d'un bébé, qui n'a pas de jugement, qui n'a pas d'a priori, qui voit les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça la force. Merci. Parce que pour aller déceler ces choses-là, dont cette musique, il faut être capable
de ça. Et j'avoue que peut-être que c'est ce que dégage aussi cet album, c'est que personne n'est venu me dire, comme on me disait quand j'étais enfant, quand je voulais jouer un accord compliqué ou complexe à la guitare, on me disait, ben oui, mais tu... Ouais, mais non, non, fais-nous le makossa, fais-nous le biscotti, le machin. Alors que moi, je voulais jouer des accords complexes. Vas-y, joue, non. D'accord, que faisait déjà à l'époque un type que j'adore, Charlie Iwanje. Charlie Iwanje, que j'ai pas connu. Un terrible. Il y avait des gens comme, je pense aussi, Willy le Pape. Non plus. Voilà. Il y avait même Francis Bébé. Oui, Francis. Il y avait les Manu Dibango qui avaient des mélodies qui étaient, qui n'étaient pas forcément du makossa. On va donner l'information à Dimitri qui ne la connaît peut-être pas. Francis Bébé était un musicologue camerounais qui vécut à Paris et qui décéda en avril 2001. Oui. J'arrive à Paris, un mois après il décède alors que je cherchais à le rencontrer. Oui. Et lui, Francis Bébé, était l'idole de Manu Dibango. D'accord. Tu comprends un peu? Oui. Manu reprenait ses chansons comme « Idiba, Ibo, Sibwa, Mé »« Idiba, Ibo, Sibwa, Mé »« Esewe, Bilibili »« Esewe, Bilibili » Si on tape un bosson, on va aller, pas on va. Bon, il essaye, t'es l'un de mille mailles, on va. On veut pas te l'aider. Oh, dans le monde, au Kamoto, c'est ton âme. Boloé, boloé. Aussi d'imbé à Pona, au Kossé, minam, na minam, songere. Adite le denis au monstre, je ne voyais belé. Son âge allé, je ne voyais. Ici, il y avait Isova, mon ami Wobo. Moussa Soé, j'allé, je ne voyais Wobo. Ribia, mon ami Wobo. Merci de me permettre. Mais ça j'ai grandi avec ça. Avec ça. Ouais. Ça, c'est. Il y avait aussi Charlie Lambert. Il y avait tout ça. C'est le gars qui chantait déjà du vrai blues à l'époque. Voilà. Sans faire injure à ce que j'entends aujourd'hui. Mais voilà, c'est ces gens-là qui nous ont formés. Je fais partie de cette génération-là qui a profité. Et même il y a eu une génération intermédiaire avec Togi. Avec Toto Guillaume, oui. Toto Guillaume. Et même au niveau de la chanson, moi, il y a un type que j'adorais qui s'appelait Nedi Bango. Et pas par là des bons pommes. En fait, c'était une façon de chanter qui était tellement bluesy que. Voilà, c'est des gens qui ou bien Président Mokongo. Oui, Président Mokongo. Qui a d'ailleurs joué avec Joseph Angoula, qui était sur mon plateau tout récemment pour rendre hommage à Vincent Guéni. Effectivement, oui, le président Mokongo, qui était pianiste. À l'école américaine, là, moi, j'étais au lycée technique. D'accord, on est allé les voir, il avait joué pour un mariage. Je pense que c'était un diplomate. Et je suis allé le voir. On est allé le voir, tous les gars du lycée, là, on est allé le voir, le président, avec sa femme. Mais le président, c'est des gars qui avaient amené des choses. Je me rappelle un morceau comme « Akoriban ». Me dit ma vene boulot, yeah yeah. Ah, koke bano ngoma, yemena, yemena. Mene nang etam, yemena, yemena. En fait, c'était des mélodies qui n'avaient rien à voir avec ce qui se fait. Absolument. C'était du vrai blues. Ouais. C'était du jazz. Et ces gars-là ils étaient malheureusement. Ils étaient incompris à l'époque au pays. Non, ils étaient juste avant-gardistes. Ils étaient très en avance sur leur temps, en fait. Très, très en avance. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal pour un type comme Manu Dibango, franchement, parce que je pense que sa carrière, on est toujours là à le limiter à Sol Makossa, parce que Michael Jackson a repris. Alors, c'est d'ailleurs un truc. Manu a écrit comme ça au verso parce qu'il allait faire la Coupe d'Afrique de 1972. 1972 au Cameroun. Il fallait un générique. Il a fait le truc et derrière, il fallait mettre quelque chose. Il a pondu un truc comme ça en deux temps, trois mouvements. Ce n'est pas sa plus grande chose. Manu Dibango a fait des choses qui sont, mais d'une beauté
Et malheureusement, je ne sais pas si c'est la distribution, si c'est parce que... La promotion, je ne sais pas quoi. Si c'est la promotion, Manu Dibango serait... Ou c'est peut-être parce qu'il n'était pas américain ou français. Peut-être, non, je pense qu'il aurait dû partir aux États-Unis, aller vivre aux États-Unis, au lieu de rester en France. Bon, je déclare que je n'ai rien à déclarer. Au lieu de rester en France. Je suis dans la critique, hein. Je suis pas très, très aimé pour ça. Mais je suis dans la critique parce que quand je vois ce qu'on promeut en France comme jazz, alors qu'il y a des gens comme Mario Canonge, dont j'en parlais tout le temps, qui pour moi, c'est l'équivalent de Michel Petrucciani. Mmh. Ouais, d'ailleurs, quand tu vois jouer, il reprend Cantabile de Michel Petrucciani dans son répertoire. C'est Mario Canonge, c'est des sommets. Mais on ne fait pas grand-chose. On va revenir sur cet album. Alors, il est sorti il y a quelques mois seulement. Hein. Ouais. Et en ce moment, tu nous as dit, à Dimitri, à moi, il est distribué. Et aux téléspectateurs, bien entendu, on ne vous oublie pas, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon. Alors, il est distribué au Brésil, je suppose, aux États-Unis, au Canada. Bref, il est distribué. En Amérique. Dans les Amériques. Et dans les Caraïbes. Et dans les Caraïbes aussi. Afrique, Pacifique, mais pas encore en Afrique. Ni en Afrique, ni en Europe. Mais seulement il y a moyen de l'obtenir. Oui. Sur mon site. Oui, tu nous donnes le site. C'est www.renécalvin.com. Et vous entrez, vous allez voir, il y a un petit logo. Oui. Ok, vous cliquez et vous faites votre commande de l'album physique. Et c'est Trattoré au Brésil qui va vous l'envoyer. Alors, quelle est ton actu? Parce qu'on t'en va à la fin de l'émission. Quelle est ton actu avec cet album? Là, maintenant, je viens de faire la release party ici pour la présentation. Mm-hmm. J'ai encore c'était une pré-release party. La grande release party aura lieu dans une plus grande salle, là, à la fin du mois de février. Et puis, je repars aux États-Unis où je vais jouer à New York, à Chicago, à Boston et à Washington, D.C., qui sont... Oui, ce sont des clubs de jazz ou bien ce sont des salles de spectacle? Il y a des salles de spectacle, il y a des clubs de jazz. Par exemple, aux États-Unis, à New York, c'est toujours d'abord dans le club de Richard Bonin. Le club de Lidl d'abord. Dimitri, toi qui as écouté René Calvin que tu ne connaissais pas, tu l'as écouté en voiture quand on venait, tu viens l'écouter en live. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous, ne lui passe pas l'éponge, hein, ou bien la crème. Ou la pommade. Si il est naze, tu dis que c'est naze. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Sur le type, il va dire que c'est naze. il a une vraie approche de musicien. On sent que c'est un musicien, quoi, avec un feeling, etc. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit là sur cette approche finalement très, très sensorielle de la musique. Mm. Il faut dire que Dimitri a été animateur de radio et lui, sa spécialité, c'était Music World Music. Voilà, donc voilà la raison, c'est la raison pour laquelle il est sur ce plateau, pour découvrir, donner ses conseils, donner sa vision de la chose à René Calvin. Alors René, on a compris que c'est les USA prochainement, dès le mois prochain. Et puis après, ce sera le Brésil. Après ça, le Brésil. C'est à São Paulo. Yeah, São Paulo. Salvador de Bahia. Yeah. Je n'ai pas encore de confirmation pour Rio, mais par contre, je vais faire. Ils appellent ça Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ok. Minas Gerais. N'oublie pas le Japon, car je suis certain que tu étonnerais le Japon, étant donné que ton frère, ton feu frère Zanzibar, jouait à la guitare solo, un peu comme tu joues là, avec des balafons dedans, des choses, des camps dedans. Et les Japonais étaient très, très étonnés en 1987, il y a 30 ans, 31 ans. Je suis sûr et certain qu'au Japon, ils aimeraient beaucoup ce que tu fais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2018? Que la vie continue déjà et que les choses continuent dans ce que les astres auront décidé. Je suis musicien et ce dont se rêve un musicien, c'est de jouer. C'est de jouer. C'est de jouer. D'accord. Tu vas donc prendre la guitare basse. Donc de jouer et de jouer et de rejouer. D'ailleurs, pour confidence, oui. C'est ce que m'a souhaité mon maître. Richard. More music. More music. C'est un petit combo ça. c'est tout ce dont je peux. Voilà, comme tu as vu, comme vous avez vu, j'ai une famille. Vous n'avez pas vu mon fils parce qu'il joue au basket.
Et voilà, ma fille aussi, on avait vu qu'elle a plus petite. La petite dernière, voilà, c'est tout ce que je veux. Qui est un amour, qui nous a accueillis. On a un foyer qui est chaud, qui nous donne beaucoup de satisfaction. Mmh. Je suis un homme assez équilibré, parce que j'ai cet amour-là de mes enfants, de ma femme, de ma vie, la vie même, parce qu'elle m'a toujours un peu privilégié. Et aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Mmh. Et j'aime ce que je fais. Mmh. Que demander de plus ? Que tu fais, c'est de la musique. C'est de la musique. Et tu vas nous refaire quelque chose de cet album pour terminer cette émission. Mmh. Qu'est-ce que tu choisis ? C'est toi, je ne sais pas. Hein ? Il y a un morceau pour Paco de Luna. C'est celui-là. C'est comme s'il y a une transmission d'esprit. Non, mais c'est vrai, j'y pense depuis tout à l'heure, parce que vous avez évoqué Paco de Luna. D'accord. Paco de Luna. Consacré à René Calvin du côté de Grimbergen en Belgique. On se retrouve sur un autre plateau du Bœuf-Bourguignon dans quelques jours. D'ici là, malgré toutes les galères ça et là, malgré toutes les joies ça et là également, car il n'y a pas que les galères, gardez la banane jusque-là et continuez à danser sur cette belle musique de René Calvin. A ciao, bye bye! Ba-b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 a